à tous, Nicky Wanina, c'est Kazou. Alors aujourd'hui, pour tous, on vous constate en extérieur. Vous n'avez pas fait de vidéo récemment depuis un moment. Il y a longtemps, au début de la chaîne, j'avais fait une vidéo spéciale adresse bouffe dans laquelle j'avais parlé de la crêperie qui s'appelle Princesse Crêpe. Et justement, j'y suis. Donc comme je n'avais pas fait de spot dessus, bah du coup, je vais y aller et puis vous allez voir ce que je vais manger. Voilà, voilà. Alors comme vous le constatez, à l'intérieur c'est très manga, et genre vraiment très manga, hein, il n'y a que ça. Et on entend des groupes d'idoles et des animés, des openings d'animés, et voilà. J'aime bien venir là en fait, c'est vraiment sympa. C'est très girly par contre, hein. Si vous aimez pas les trucs girly, c'est pas trop là qu'il faut aller. Voilà, donc ça c'est la crêpe que j'ai pris. Crème pâtissière, banane, Nutella, chantilly, je sais plus si j'ai oublié un truc. Et glace vanille. Le truc bien light quoi. Donc après c'est pas fini, on va faire autre chose. Donc, bah comme on dit, à Tadakimas. Alors j'étais pas tout seul hein, dans la dégustation, on est trois. Donc il y a Thaï et Benjamin, son chéri. Thaï elle avait pris. Non. Je sais plus, non, c'est Benj qui a pris une princesse crêpe qui est déjà bien fournie, beaucoup plus que la mienne l'était. Et du coup, sachant qu'il a déjà pris une crêpe salée avant. Donc voilà, en fait, on peut, oui, il y a des crêpes salées. Alors, les Bretons comme moi sont un peu crêpes salées. Bon, bref, on va pas épiloguer sur le sujet, mais voilà, du coup, on peut prendre des crêpes salées, vous pouvez le savoir aussi. Voilà. Alors, du coup, là, on est devant Snowman, c'est une espèce de bubble tea, salon de thé, chinois, apparemment. Donc, rien à voir avec le Japon ni avec la Corée, mais apparemment, ça a l'air plutôt mignon et par contre aussi sucré que Princesse Crêpe. Du coup, ben, c'est pareil, je vous ferai des photos et un ou deux petits films à l'intérieur, et puis, ben, du coup, on va rentrer. Alors, ça, c'est la carte. Il y a un peu de choses, hein, comme vous pouvez le remarquer. Il y a des boissons aux fruits, il y a des granités aux fruits, des milkshakes, du thé. Il y a des tas de trucs. Donc le plus compliqué, je pense, c'est de choisir. Et je suis bien dans la panade parce que je n'ai aucune idée de quoi choisir. Donc bah, mettez un commentaire tiens, pour rigoler ce que vous pensez que j'ai choisi dans tout ça. Quelle catégorie j'ai pris. Bon alors j'ai rien dit parce qu'elle était à moitié en train de fondre, mais du coup j'ai pris une torche licorne, donc glace au chocolat avec des petites céréales, des petits, on n'en voit plus parce que je les ai mangées, des petites décos en forme de licorne, donc avec la corne et les oreilles, des petits bonbons, voilà, bien sucré, et voilà, franchement c'est bon.